c'est qu'il y a... Je crois qu'il y a beaucoup plus simple pour avoir une réduction, hein. Y a pas besoin de faire tout ce truc là, tout ce... Ouais, enfin... Et en plus, tu le sais très bien, les gars de Displayit, on les connaît bien, on a déjà bossé avec eux. Et... Ils sponsorisent cette vidéo. Displayit, c'est ton meilleur ami si tu veux décorer ta chambre, ton espace de travail, ton salon, tes toilettes. Bon, vous avez compris l'idée, mais si vous voulez, je peux continuer jusqu'à l'infini avec tous les espaces possibles qu'on peut décorer. Ton entrée, ton garage, ton... Il y a énormément de choix de design et de thèmes sur leur site. Et ils y ajoutent régulièrement des nouvelles choses et des nouveaux partenariats officiels. Regardez, genre vous avez du Star Wars, du Elder Scrolls, c'est trop bien. Tu savais que c'était un de mes jeux favoris ? Donjons et Dragons, American Horror Story. Et maintenant, il y a même des designs en rapport avec Buffy. Vous le voyez à l'image, il y a beaucoup, beaucoup d'autres trucs, rien que dans les licences officielles. Displayit, c'est aussi des partenariats avec des artistes qui font soit du design, soit de la photo. Il y a tout un choix selon vos goûts et vos envies. Là, par exemple, je vous montre des artistes français. Tous ces designs sont disponibles sur le site de Displayit, en plus des collections officielles, en plus de d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Les avantages de Displayit, c'est que c'est méga simple à fixer. Je vous fais une démo, peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de Displayit, donc c'est parti. Vous nettoyez la surface, appliquez la base et hop, collez l'aimant. Tenez une minute l'aimant et voilà, c'est fini. Vous pouvez fixer votre Displayit. Vraiment, les avantages, c'est que c'est méga simple à fixer et surtout, tu peux changer les designs selon tes envies, ton décor en quelques secondes. Sur leur site, j'ai aussi ma page dédiée avec mes sélections par thème. Ça peut vous aiguiller, ça peut vous inspirer, ou bien vous pouvez choisir les mêmes choses que j'ai mis en avant. Et attention, pendant quelques jours seulement, il y a une promo, le Black Week et le Cyber Monday. Vous avez des réductions de malade. Pour un ou deux Displayit, c'est moins 33%. Pour 3 ou 4 Displayit, c'est moins 37%. Et pour plus de 5 Displayit, c'est moins 41%. La promo, c'est seulement jusqu'au 5 décembre. Tous les liens sont dans la description, je vous laisse checker ça. Et merci à eux d'être encore partenaires sur cette vidéo. Et voilà mon gars, c'est terminé. Voilà, tu vois très bien que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça que d'essayer des vieilles formules sorties d'un vieux grimoire tout moisi. Après, moi j'ai kiffé, hein. L'ambiance que tu nous as mis là, elle est vraiment très très stylée. Et en plus, ça va parfaitement avec le thème de la vidéo. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler d'histoires paranormales liées à des films de cinéma qui ont mal tourné ou des films maudits. Genre, pendant le tournage, des caméras explosent, des sons étranges sont enregistrés pendant une prise de vue, ou encore des acteurs sont maudits pendant et après un film. Je vais vous parler d'histoires qui sont très connues dans le cinéma, mais on n'en a encore jamais parlé sur la chaîne. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour quelques anecdotes assez croustillantes et assez intéressantes qui sont liées au paranormal et à l'étrange. Et au cinéma. Commençons avec le film d'horreur le plus célèbre de l'histoire du cinéma, et c'est aussi un film qui m'a terrorisé quand je l'ai regardé quand j'étais jeune, L'Exorciste. Un film réputé maudit. Tellement il y a eu de choses horribles qui se sont déroulées pendant le tournage. L'Exorciste de William Friedkin, film incontournable, a connu un tournage mouvementé, et le mot est faible. Pendant la réalisation du film, 9 personnes ont perdu la vie au sein de l'équipe ou de leurs proches. Le plus connu, l'acteur Jack McGowan, qui interprète Brooke dans le film décède juste après avoir terminé le tournage à cause d'une complication d'une grippe. Donc 9 personnes qui sont décédées, des acteurs et des techniciens, c'est énorme. Il y a eu aussi un incendie sur le plateau, d'où la provenance est inconnue et qui retarda la production pendant plusieurs semaines. À tel point que la sortie du film a été retardée à cause de ça. Beaucoup d'acteurs et de techniciens, encore une fois, se sont blessés, ont subi des chutes ou des choses un petit peu, des accidents pendant la production du film. Ça a été pas mal recensé et pas mal de gens en parlent. Et aussi d'autres histoires, mais beaucoup plus légendes pour le coup, du style une jeune adolescente aurait assassiné une autre fille influencée par le film, ou encore l'un des figurants qui jouait dans le film serait devenu un tueur en série. À croire que toutes les personnes qui ont un lien avec ce film, L'Exorciste, de loin ou de près, ont eu des choses étranges, des choses maudites et des trucs assez tragiques. Pendant le tournage, le réalisateur William se sentait tellement mal que pendant le shooting, il a fait venir des prêtres pour qu'ils bénissent le plateau après les incendies, les morts et les accidents tragiques, ainsi que les événements nocturnes inexplicables et effrayants. Parce qu'on raconte que l'équipe de tournage était angoissée, beaucoup faisaient des cauchemars, et avaient des crises d'angoisse, etc. Donc vraiment, il a fait venir des prêtres pendant le tournage. Si vous avez jamais vu L'Exorciste, sachez que c'est un film assez violent dans les ambiances, très très glauque, ça fait très flipper, on parle d'exorcisme, donc d'esprit, démons, etc. Quand on lit ce qui se passe pendant la production, ça rajoute vraiment un truc un peu glauque, ça fait bien flipper.
Il faut quand même que je vous dise qu'il y a une personne qui croit pas du tout à toutes ces histoires et légendes rattachées à ce long métrage, et cette personne n'est rien d'autre que l'auteur du roman dont le film est adapté, William Peter Blatty. Selon lui, le réalisateur a inventé toutes ces histoires et a exagéré pas mal de choses pour justement créer un mystère et un bon coup de marketing autour du film. L'auteur dit effectivement qu'il y a eu les décès, ça c'est vrai, de plusieurs personnes, mais il dit aussi que pendant une année, c'est normal d'avoir des accidents et des personnes qui décèdent, ça fait partie de la vie. Donc il est très rationnel et pointe un peu du doigt le réalisateur qui a abusé toutes ces histoires. Personnellement, j'en sais rien, mais ça rajoute un peu de piment et surtout de mystère autour de ce chef-d'œuvre d'horreur. Ça te satisfait ? Intensément. L'histoire de ce deuxième film va très certainement vous intéresser parce que moi, ça m'a donné envie d'aller faire un fantasma à l'intérieur. Vous allez comprendre. On va parler du film Innkeepers. Claire et Luke sont deux jeunes employés du Yankee Peddar Inn, un hôtel sur le point de fermer. Ils sont les seuls employés qui travaillent pendant son dernier week-end d'ouverture. Les deux sont passionnés par les chasses aux fantômes. Intéressant déjà. Et fasciné par l'histoire de ce bâtiment qui a une légende, celle de Madeleine Homely, une mariée qui s'est pendue dans les années 1800, dont le corps aurait été caché dans le sous-sol par les anciens propriétaires de l'hôtel. Donc ils vont commencer à faire une chasse aux fantômes à l'intérieur de cet hôtel qui est hanté par un fantôme. Mais maintenant revenons à la réalité, ce qui va être intéressant, vous allez voir. Dans une interview, le réalisateur T. West répond et explique des choses troublantes par rapport à ce film. Le journaliste Nigel lui pose cette question. L'histoire derrière la raison pour laquelle vous avez fait le film de Innkeepers est presque aussi bonne et effrayante que le film lui-même. Et T. West, le réalisateur, répond « Eh bien, l'hôtel qui a inspiré le film est en fait dans le film. Donc ce lieu existe vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que nous tournions mon précédent film, La Maison du Diable, et nous étions dans cet hôtel appelé le Wonky Peddar Inn parce que c'était la meilleure option pour loger l'équipe. Nous allions tourner ce film d'horreur satanique à proximité, mais les choses les plus étranges se produisaient à l'hôtel. Ça a commencé un peu avec des petites choses, mais c'est devenu de plus en plus fort et sur pas mal d'acteurs et l'équipe qui ont commencé à penser qu'il y avait quelque chose qui cloche dans cet hôtel. D'ailleurs, le personnel de l'hôtel pense qu'il est tenté pour de vrai et toute la ville croit que cet hôtel est tenté aussi. Donc en fait, le réalisateur d'Innkeepers s'est inspiré de faits réels qu'il a vécu lui et son équipe. On revient à l'interview qui dit « Pouvez-vous nous en dire plus sur ces événements hantés dont vous avez été témoin ?» Eh bien, je suis sceptique, donc je ne suis pas un client de ce genre de choses. Mais j'ai vu des portes se fermer d'elles-mêmes. J'ai aussi vu un téléviseur s'éteindre et s'allumer tout seul. Les lumières s'éteignaient toujours dans ma chambre. Tout le monde dans l'équipe a fait des rêves très agités. À chaque nuit, des cauchemars, et c'était vraiment étrange. Donc ça, c'est pendant qu'il tournait un autre film, mais pour tourner Innkeepers, il est arrivé dans cet hôtel, il a réellement tourné dans cet hôtel, et là, le journaliste lui demande « Est-ce que les choses ont continué à se produire pendant que vous tourniez le film ?» Et le réalisateur répond « Oui. » Le truc, c'est que, en étant sceptique, j'ai tendance à ne pas croire. L'autre chose, c'est que lorsque vous faites un film, l'expérience est tellement traumatisante que j'avais assez de choses qui me tracassaient. Donc un fantôme, c'est pas mon problème et c'est pas ma priorité. Il était tellement angoissé, il avait d'autres problèmes à gérer sur le tournage que voilà, il a vécu des choses mais ça lui passait un peu en dessus puis il continuait. Mais les rêves sont apparus dès le premier jour où je suis entré. Donc lui aussi, il faisait des cauchemars dans cet hôtel. L'ambiance était là. Sarah Paxton se réveillait, donc c'est l'actrice, au milieu de la nuit en pensant que quelqu'un était dans la pièce avec elle. Toute l'équipe a des histoires totalement étranges, mais j'étais beaucoup trop occupé à dire et à tourner mon film. Tournons ça, nous avons que 17 jours, allez, il faut y aller, on s'en fout, on y va les gars. J'aime beaucoup cette anecdote parce que lui, voilà, il s'est inspiré de ce qu'il a vécu, mais en même temps, il n'en fait pas des caisses, il a, oh, je m'en tapais, tu vois, il répond à des questions. Mais apparemment, il y a quelque chose d'étrange dans cet hôtel qu'il a vécu plusieurs fois. En plus, pendant qu'il tournait son premier film, et là, pendant qu'il tournait ce film, que je n'ai pas vu d'ailleurs, que je vais m'empresser de regarder après d'avoir tourné cette vidéo. Et vraiment, je pense que ça peut être un très très bon lieu pour un fantasma. On va revenir à des anecdotes tragiques et beaucoup plus sombres, avec une nouvelle fois un film très très célèbre dans l'horreur, la trilogie Poltergeist. Je sais pas comment tu dis, Poltergeist, je pense en allemand, Poltergeist. Cette trilogie fut un succès cinématographique, mais fut aussi célèbre pour des raisons troublantes survenues pendant le tournage. Le jeune acteur Olivier Robbins, dans la scène d'ouverture du film, a failli mourir étranglé par une marionnette. C'est une anecdote que j'ai beaucoup entendue quand je me balade dans des sujets paranormaux sur internet, mais il n'y a pas plus d'explications que ça. Mais apparemment, ils auraient serré très très fort et ils auraient été un peu loin avec l'idée d'étrangler le gosse
gosse sur cette scène. Heureusement, il a survécu. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Dominique Dunne, qui fut quant à elle étranglée par son compagnon juste après le tournage du dernier épisode. Heather O'Rourke, j'ai vraiment un problème avec les noms, Heather O'Rourke, qui apparaît dans les trois films, décéda d'un choc septique à l'âge de 12 ans. On raconte que la malédiction qui s'abat sur ces films aurait commencé après que Steven Spielberg et Tobe Hooper aient décidé d'utiliser des vraies squelettes pendant la scène où le personnage de Joe Bess, William, tombe dans une piscine remplie de squelettes, à l'insu des acteurs. Les comédiens ne savaient pas qu'il s'agissait de vrais squelettes. Ils ont fait ça parce que c'était beaucoup plus réaliste et aussi beaucoup moins cher que des faux squelettes. Peut-être qu'ils ont réveillé et dérangé des esprits, des âmes, et puis ils sont venus se venger pendant le tournage. Il y a eu tellement de choses étranges pendant ce shooting de long métrage, à tel point que eux aussi ont fait bénir l'ensemble du tournage. Mais apparemment ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a encore des gens après ça qui sont décédés. Samson, décédé d'une grève de rein. Julian Beck est décédé d'un cancer de l'estomac. Et pour finir, en 2019, un acteur qui jouait un ouvrier du bâtiment dans le film original a été coupé en morceaux par un ex-détenu. C'est méga glauque. C'est vraiment méga glauque. Moi, j'aime bien les histoires genre une porte qui claque, une télé qui s'allume, etc. Mais quand ça touche à la mort et à la blessure grave, évidemment, c'est super hard. Là, on va aussi parler d'un film très connu, peut-être un peu moins sur la nouvelle génération, c'est de Omen, la malédiction. On fait un bond dans le passé, tellement c'est un vieux film, un petit peu. La malédiction est un film d'horreur américano-britannique réalisé par Richard Donner, qui est sorti en 1976. Malgré des critiques mitigées à sa sortie, le film connaît un immense succès commercial dans le monde. Il obtient 3 nominations aux Oscars. Le succès du film engendre la création d'une franchise avec les 3 films, dont un remake et un téléfilm. Eh bien, moi je l'ai jamais vu. The Omen, la malédiction, est entrée dans l'histoire des mythes cinématographiques comme l'un des films les plus maudits jamais tournés. Le tournage fut une nouvelle fois de plus marqué par des événements très troublants, à tel point qu'on pensait vraiment que toutes les personnes du film, encore une fois, étaient maudites. L'avion de Gregory Peck, en provenance de Los Angeles, fut frappé par la foudre. Il en fut de même pour le producteur Mace Nulfeld. C'est assez ouf quand même que 2 personnes dans le même tournage chopent la foudre sur l'avion, c'est quand même pas mal. Londres subissait à cette époque une importante vague d'attentats de l'IRA. Une bombe explosa dans un restaurant alors que plusieurs membres de l'équipe du film s'apprêtaient à y dîner. À chaque fois, ils sont frappés de justesse par des trucs qui auraient pu les tuer. De même, ils devaient prendre un avion pour filmer Londres au-dessus dans le ciel et finalement, ils ont été affrétés à un autre vol, etc. L'équipe de tournage et ce même avion, celui qu'ils devaient prendre, s'est crashé et a explosé, etc. et a fait plusieurs morts. En fait, il y a plein de moments pendant la production où ils ont à chaque fois échappé à la mort. Et c'est pas terminé pour la séquence de la réserve africaine au passage. Après le départ de l'équipe du tournage, un tigre a attaqué et tué l'un des gardiens du parc. On a vraiment l'impression à chaque fois qu'il passe, comme par hasard, il se passe des choses atroces. Moins de 2 mois après la sortie du film, John Richardson, qui avait supervisé la scène de la décapitation de Yening, a été victime d'un grave accident de la route aux Pays-Bas alors qu'il participait au tournage d'un autre film. Bien que le conducteur ait survécu, Liz Moore, son assistante et compagne qui se trouvaient à ses côtés, ont été décapités. Et c'est pas terminé, il y a encore des anecdotes glauques qui sont liées aux gens de la production et au tournage de ce film. En 2006, le réalisateur du remake, John Moore, a été tout aussi malchanceux, bien que cette fois il a été rapporté une hantise plus franche. Moore a mis la perte de 2 jours de tournage sur le compte de l'interférence créée par un spectre après que ses caméras aient implosé. Donc, à l'intérieur, elles explosent et il y a un message d'erreur apparemment inexplicable qui s'est affiché sur les écrans et l'erreur, c'était erreur 666. J'ai listé plein de catastrophes, plein de drames liés à ce film. Est-ce qu'il y a de la vérité? Parce que les faits, on peut les retrouver, la bombe qui explose à Londres, l'avion qui s'est crashé, etc. Et c'est vrai, il devait prendre ses véhicules, etc. Mais comme on l'a dit avant, est-ce que c'est le hasard de la vie? On vit, on meurt, ou alors... Ils étaient vraiment poursuivis par une malédiction, on le saura jamais.
on finit avec les bons vieux films de Conjuring, des films fabuleux, faut quand même le dire. La franchise Conjuring est une série d'horreur qui prétend être basée sur des histoires vraies, tirées des dossiers du couple Ed et Lorraine Warren, des enquêteurs paranormaux qu'on ne présente plus. D'ailleurs, c'est assez troublant parce qu'à chaque fin de film, vous avez les photos d'archives qui nous replongent dans l'ambiance et c'est assez glauque parce qu'on voit ce qu'on vient de voir en fiction dans le film. Vous voyez de quoi je parle, hein. Ces extraits et tout avec la musique et tout, c'est assez perturbant, très fort. Et les tournages de ces films ont mis les nerfs de toute l'équipe à bout pour plusieurs raisons. Il s'est passé encore des choses étranges. Et oui, Vera, l'une des actrices principales, a déclaré aux journalistes que dès qu'elle a accepté la proposition de participer au film, une marque noire de 3 griffes est apparue sur l'écran de son ordinateur. Et un peu plus tard, pendant le tournage du film, il est apparu la même marque sur sa cuisse. Une sorte d'hématome, d'ecchymose, de bleu qu'elle n'a jamais pu expliquer et tous ceux de l'équipe n'ont pas compris ce que c'était. Au cours du film, il y a d'autres personnes qui ont eu des choses étranges, genre des bleus, des ecchymoses comme si quelqu'un l'attrapait, etc. sur le corps notamment de l'actrice Joey King et personne n'a pu expliquer ce qu'elle a subi ou ce que c'était. Mais j'ai cherché un peu dans les making-of et tout, j'ai pas trouvé un moment où il y avait une blessure filmée, etc. Ah, les gars, vous êtes sur un plateau de tournage, il y a mis une caméra autour de vous, des making-of et tout. Personne n'a pu documenter ça. Patrick Wilson, qui jouait le rôle d'Ed Warren, a dit que la nuit, il entendait un rire enfantin dans sa maison pendant le tournage, qui n'était pas celui de ses enfants. Cela a effrayé la femme de l'acteur et elle a décidé d'en parler à Lorraine Warren. Et elle lui a simplement répondu « Eh bien, parfois les esprits veulent juste jouer ». Le réalisateur du film James Wan a déclaré aux journalistes qu'il avait été témoin d'un étrange phénomène. Il était dans une pièce et son rideau a commencé à bouger comme ça. Et selon lui, il n'y avait personne et surtout pas de vent. Ça va, ça aurait pu être pire. Là, c'est assez safe encore. On dirait que toutes les personnes qui ont voulu faire des films d'horreur, des films sur le paranormal, mais ils provoquent des énergies, ils provoquent des choses et il leur arrive tout un tas de bordel. Est-ce que dans d'autres films, genre sur Jurassic Park, Jurassic World, il se passe des choses étranges? Peut-être, mais on n'entend jamais parler. En parlant de tout ça, vous saviez que la moitié des studios d'Hollywood étaient construits sur un ancien cimetière et c'est vrai. Ça sonne comme un début de film ou une légende, mais c'est vrai. Et plus précisément ceux de la Paramount. Hollywood Forever, c'est l'un des lieux les plus populaires de Los Angeles. La moitié du cimetière a été vendue en 1920 pour créer ce qui est aujourd'hui appelé la Paramount Studio. On raconte justement que le personnel du studio voit souvent des gens vêtus d'époque qui se dirigent dans des murs et qui disparaissent. Ils entendent des bruits, des ricanements, des choses un peu comme ça. Les gardiens qui restent la nuit, ils voient des trucs étranges. Des gens disent aussi que des célébrités décédées liées à des films ou à des accidents liés au cinéma sont aujourd'hui occupants de cette zone et on peut les voir, les entendre, etc, etc. Ils rôdent dans les parages. Et d'ailleurs, c'est un endroit que vous pouvez visiter de nuit. Il y a vraiment des ghost tours qui sont organisés dans ces studios et voilà, ça rend un peu l'endroit un peu mystérieux et on peut visiter cette attraction de façon un peu différente et de nuit avec des lampes de poche, etc. C'est pas mal pour une visite originale. Alors, d'après vous, tous ces faits étranges, bizarroïdes, sont-ils liés à des histoires de malédiction? Ou alors c'est un joli marketing brodé autour des films pour faire beaucoup d'entrées. À vous de me dire. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je trouve toujours intéressant. En plus, ça, c'est des choses méga connues sur le cinéma. C'était important de les nommer sur cette chaîne et d'en parler. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.